La femme qui est au centre du scandale de la présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, se rendra au bureau du procureur aujourd'hui pour répondre à des questions. Choi Soon-sil aurait eu un contrôle indirect sur les affaires d'État au travers de sa relation personnelle avec la présidente Park. Dimanche, Park a accepté les démissions de plusieurs hauts conseillers présidentiels, dont celui du chef de cabinet, du haut secrétariat de la coordination politique, des affaires civiles et des relations publiques. Le bureau présidentiel déclare que Park a refusé les démissions soumises par d'autres hauts secrétariats en Choi considération des affaires Soon-sil d'État. might be the most disliked public figure in South Korea at the moment. Many say she deserves the 20-year prison sentence and the more than $16 million fine she's been ordered to pay. To be honest, she was convicted of more charges than I expected, and the sentence is also heavier than I predicted. This made me think that the court was taking this very seriously. Prosecutors say Choi's coercion, bribery, and abuse of power led to the impeachment and removal of her friend and former president Park Geun-hye. She was convicted of pressuring companies, including Samsung, to donate millions of dollars to foundations she controls. Choi says this is political revenge. She's being framed and treated unfairly. Given the sustained outrage this case is generating, some wonder if the bias against her stopped her from getting a fair trial. Choi is now the face of corruption between the political and business establishments. The case has transfixed South Koreans. On Tuesday, prior to her verdict, Choi's name was trending on the country's biggest online search engine. Everybody's been watching this. It's got a kind of soap opera, O.J. Simpson kind of quality to it, this whole trial, right? People are really obsessed about it. After the verdict was announced, there was fighting and screaming among Park supporters outside the courtroom. They've been monitoring the trial. A verdict in Park's case is expected soon. I'm here because Choi's court ruling will influence Park's case significantly. This is the biggest political scandal in South Korean history, the first time a president was impeached and removed from office. Analysts say there is too much power concentrated in the presidency, and history will repeat itself if the political system isn't reformed. Impeachment happened because of Choi. And because of impeachment, post-impeachment politics have become unstable, and we haven't seen normal political procedures. I think Choi should be responsible, admit her wrongdoing, and apologize to the people. That's more important than how many years she will spend in prison. Choi remains defiant and has not apologized, but many believe the court's lengthy sentence sends a warning to others and a message to the people that their outrage has been heard. Natasha Ganem, Al Jazeera, Seoul. Donc, merci à tous d'être venus si nombreux en cette occasion un peu particulière, cette soirée franco-coréenne. Donc, merci d'abord à Nosing Hill et à Soya de nous avoir proposé cette soirée. C'est l'habitude chez nous, je ne fais pas de présentation, je laisse le soin aux invités de se présenter mutuellement. Donc je vous passe tout de suite la parole. Voilà, à vous, merci. Bonjour, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Et voilà, je me présente, je suis représentatrice pour Monsieur No. Monsieur No, il est connu comme un acteur et un témoin clé du Choi Gate à Choi Soon-sil, du nom de scandale vraiment du siècle en Corée, qui a entraîné enfin la destitution à la présidente, ex-présidente Park Geun-hye. Donc aujourd'hui, je l'ai invité ici pour entendre l'histoire du siècle en vrai, face à face. Pour lui. Donc, je ne suis pas vraiment professionnelle d'interprète, mais je suis invitée, c'est parce que je connais l'histoire. Voilà. Donc, à tout moment, si je me trompe, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, il faut l'histoire
donner une vraie histoire et correcte. Voilà. 지금 저기 제가 적폐의 소굴에서 적폐의 심장을 겨누다. 그래서 정조증이라는 책을 가지고 책을 쓴 노승일 씨를 초대해서 한 이유는요. 첫 번째는 이 영웅이 다른 데 있는 것이 아니라 그냥 시민이 큰 용기를 가진 용기를 보여주는 사람이고 해서 어쩌면은 그 목숨의 위험을 무릅쓰고 사실은 아무 보호장치 없이 다니십니다. 그래서 이렇게 현지에 이렇게 소개를 함으로써 어느 정도 사람들이 잊혀지지 않게 하기 위해서 왜냐하면 내부 고발자라는 것은 이중 피해자라고 생각하거든요. 첫 번째는 처음에 몇 년 동안은 필요해서 검찰에서 이용하다가 어떻게 보면 그 다음에 3~4년 지나서 잊게 돼서 그 다음에 남는 이미지는 배신자라는 그런 이미지입니다. 근데 노승희 씨 같은 경우는 완전히 경우가 다릅니다. 그래서 제대로 사실을 알리게 하고 싶었고 생생한 증언을 듣게 하고 싶어서 여기 초대했습니다. 그러면 je vous présente Monsieur Nosingil, je vous invite à applaudir un peu. 제가 un petit peu. Il est né en 1975 à Séoul. C'est un fils d'un ouvrier et il était un simple citoyen jusqu'à le moment où il a rencontré Choi Soon-sil. C'est la fameuse date, c'est le 2014 au mois de mars. Donc à partir de là, c'est différent de dénonciateur par rapport aux autres. C'était directement, il a travaillé, il a été contacté, c'est parce qu'il était sportif de badminton. Donc, Choi Soon-sil, elle avait besoin à ce monsieur, brave homme, pas de connexion avec le grand réseau. Voilà. Donc, il a été choisi et après, un mois après, il a été licencié sans raison. Donc après, mais dès le début, au mois de mars 2014, il a senti quelque chose d'anormal. À partir de là, c'est pas seulement il a travaillé avec Choi Soon-sil et en gagnant de l'argent, en partageant des miettes partout, par-ci, par-là. C'était pas ça. Donc dès le début, il a compris comme quoi il y a quelque chose qui va pas. Donc, mais après, c'était difficile, il était vraiment difficulté de vie. Donc il a oublié. Après, quelques mois après, Choi Soon-sil, elle l'a recontacté. Donc, et après, depuis, lui, il a décidé de voir qu'est-ce que c'est. Donc, à partir de 2015, août 2015 jusqu'à 2016, mai 2016, il a fait un. Il a commencé de rassembler les preuves parce que il avait besoin de quelque chose pour savoir pourquoi. Donc finalement total pour en face à grande entreprise Samsung et il a eu de documents 5000 pages A4 la quantité de documents et aussi pour de Rasputin, la Rasputin coréenne à l'histoire, c'était 1000 pages. Et la même quantité pour la destitution de Park Geun-hye. C'est parce que Park Geun-hye et Choi Soon-sil, c'est la directe, c'est une confidente. Donc il y a des papiers à chacun, 1000 à peu près. Donc pendant. Et puis aussi, il a touché des grands Samsung 7. Dirigeant majeur, donc ils sont condamnés. Et voilà. Donc c'est pourquoi il a fait. Pourquoi il a fait? C'est parce que le pays idéal, il faut dénoncer la corruption en tant que citoyen. Mais il était vraiment courageux. C'est pas l'adversaire, c'est pas anodin. C'est un grand Samsung. C'est Choi Soon-sil, c'est Park Geun-hye. Donc,
Moi, je vous explique un peu comme ça, et après un détail avec le livre. En fait, c'est pas parfait, c'est pas complet, parce qu'il y avait quelqu'un qui est important, qui a demandé de retirer son histoire. Donc, il y avait une partie, grande partie, qui était retirée. Mais après, il y a un journaliste qui a dénoncé tout. Donc, lui, je pense qu'il faut refaire un livre complet plus tard. J'espère qu'il y aura une traduction en français. Voilà. Donc, je vous invite de poser la question aux grandes lignes et il vous expliquera un détail avec des épisodes par période. Donc, 여기 제가 한국말 이거 불어로 여기 전부터 불어 다 아시는 분이라서 mais en fait quand je parle en français parce que les coréens ici qui moi j'imagine que vous comprenez parfaitement le français c'est pour ça c'est un petit peu j'ai osé pour le public français qui va regarder la vidéo je pense qu'il serait quand même bien de faire un petit résumé rapide de l'affaire. Et... Ça, j'aimerais bien inviter d'expliquer à Benoît. Alors Benoît va peut-être se charger de nous faire un petit rappel, un petit résumé historique pour le public français qui ne connaît pas, qui connaît évidemment beaucoup moins bien que les Coréens, le contexte de cette histoire, de cette affaire, qui est quand même la grande affaire politique et historique de la Corée d'après-guerre, de la Corée du Sud d'après-guerre. Alors, l'affaire Choi Soon-sil, donc pour le public francophone, c'est le scandale qui a abouti à des manifestations de millions de Coréens en Corée et dans le monde pour la destitution de la présidente, qui a déjà été votée par une motion d'impeachment par le Parlement coréen avant que la mesure ne soit entérinée à l'unanimité par les juges constitutionnels et donc qui aboutira à sa destitution 8 mois avant l'échéance, un peu plus, pratiquement un an avant l'échéance de son mandat. Qu'est-ce que l'affaire Choi Soon-sil ? Park Geun-hye, quand elle est élue présidente de la République sud-coréenne en 2012, Park Geun-hye avait un certain nombre de confidents de l'ombre, et parmi ces confidents de l'ombre, il y avait Choi Soon-sil, qui était une femme qui relevait du courant chrétien conservateur, mais qui avait un contact avec la présidente Park Geun-hye depuis l'époque de son père. Je veux juste préciser pour le béotien français que la présidente Park elle-même est issue d'une longue généalogie de pouvoir. Tout à fait. Le père de Park Geun-hye, Park Chung-hee, a été président de la République en Corée du Sud après un coup d'État en 1961 qui l'a amené au pouvoir jusqu'à son assassinat en 1979. Et lorsque la femme de Park Chung-hee, donc la mère de Park Geun-hye, a été assassinée, c'est elle qui en fait a servi de première dame. Donc Park Geun-hye avait déjà été dans les coulisses du pouvoir de son père à la fin des années 70. Et elle a été très rapidement sous l'emprise d'un homme, Choi Tae-min, qui était donc un leader religieux, qui lui disait notamment avoir la capacité de parler avec le fantôme de sa mère qui avait été assassinée. Il y a une forte croyance dans le chamanisme en Corée. Et finalement, Choi Soon-sil, la fille de Choi Tae-min, le gourou, on va dire, de Park Geun-hye, est restée dans l'ombre. Et quand Park Geun-hye progressivement a pris le pouvoir au sein du Parti conservateur, en fait, elle est apparue comme étant totalement sous l'emprise de Choi Tae-min et ensuite de Choi Soon-sil. Or, l'affaire, en fait, est assez simple. Tout commence par un ordinateur à l'automne 2015 où l'on découvre à l'intérieur, donc ordinateur qui appartient à Choi Soon-sil, des documents secrets qui n'auraient jamais dû s'y trouver. C'est-à-dire qu'on découvre qu'en fait, Choi Soon-sil, qui n'avait aucune fonction dans l'appareil de pouvoir, dans l'appareil d'État coréen, a finalement eu accès à un certain nombre d'informations confidentielles. Progressivement, le fil se dévide et on découvre qu'en fait, Choi Soon-sil avait eu un total emprise sur la présidente, au point qu'on l'a comparé un peu à Rasputin, donc le moine débauché de la fin du tsarisme, qui avait une influence extrêmement forte sur la tsarine et qui disait qu'il allait pouvoir notamment soigner le tsarevitch. Choi Soon-sil était non seulement une femme qui faisait de la religion, mais également une femme d'affaires. Dans ce cadre-ci, elle avait créé plusieurs fondations. L'une des fondations s'appelle K-Sports, K comme Korean Sports, dont d'ailleurs No Sung-il a été donc le directeur. Et la fondation K-Sports, pour avoir les, j'ai envie de dire,
les bons offices du gouvernement, avait mis en place un système d'extorsion de fonds vis-à-vis d'un certain nombre de groupes coréens, notamment le groupe Samsung, pour financer un certain nombre d'activités qui, au final, atterrissaient soit sur les comptes bancaires de Chae-Sun-sil, soit bénéficiaient directement à sa fille, qui envisageait de devenir championne du monde, donc en équitation, en élevage. Donc ce qui est intéressant sur la fondation K-Sport, ce n'était pas la seule fondation que dirigeait Chae-Sun-sil par personne interposée, c'est qu'on avait un système de corruption qui a été mis en place avec finalement l'ascendant de l'État, avec l'assentiment de l'État, donc un système où les institutions sud-coréennes étaient totalement subverties et qui permettait à la fois d'avoir un enrichissement personnel pour lequel c'était à la base finalement du scandale qui va aboutir au motif de destitution de la présidente Park Geun-hye. Depuis donc la présidente Park Geun-hye a été destituée, Chae-Sun-sil a été condamnée à 20 ans de prison, Park Geun-hye a été elle-même condamnée à 24 ans de prison, et au fur et à mesure de cette affaire qui a mis en cause aussi Samsung, le plus grand conglomérat sud-coréen qui représente plus d'un cinquième de l'économie sud-coréenne, progressivement un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sont en prison. Et ce qui a semblé extrêmement intéressant de cet ouvrage qui malheureusement n'est pas encore diffusé en français, mais je pense qu'à mon avis sera sans doute déjà diffusé probablement en anglais en traduction, c'est d'avoir un acteur clé, finalement, M. No Sung-il, de cette affaire, puisqu'il l'a vu de l'intérieur. Alors, merci pour ces éclaircissements qui amènent, je ne vais pas accaparer évidemment, mais ma première question, donc de français qui s'intéresse à la question, comment, compte tenu de l'état de corruption de la classe dirigeante, de collusion avec les grands intérêts financiers, notre héros de ce soir a pu déclencher cette espèce de révolution à l'intérieur de ce pouvoir ultra-puissant. Quel est le déclic? Quelles sont les forces sur lesquelles il a pu s'appuyer pour résister et faire ce qu'il a fait et qui est raconté dans le livre? C'est ça ma première question.제가 이제 그 대학교 때 이제 통학생 회장을 하면서 정의에 대한 생각을 많이 갖고 있었거든요. 물론 뭐 통학생 회장 출신들은 어느 정도의 책임감과 그 다음에 올바른 생활을 또한 그것들을 이제 학우들한테 전달해 주려고 하는 역할들을 많이 하거든요. 2014년 3월 달에 처음 최순실을 봤을 때 얘는 최순실이 좋은 말을 해줬어요. 무슨 얘기를 해줬냐면, 한국 체육 발전을 위해서, 나랑 같이 한번 일을 하지 않을 거냐. 이런 쪽으로 좋은 얘기를 해줬거든요. 당시 어떤 얘기를 했었냐면은, 이런 얘기를 했었던 거죠. 한국에는 스포츠 스타가 많아요. 근데 그 스포츠 스타가, 본인의 길을 가지 않고 자리가 없어서, 택배 기사를 한다던가, 뭐 택시 운전기사를 한다던가, 뭐 생활고 때문에 비관 자살하는 스포츠 스타도 있고, 그래서 그 사람들에 대한 처우를 개선해주고 일자리도 창출해주고 또한 그 사람들이 갖고 있었던 노하우 기술들을 후배들을 위해서 또 전달해주는 그러한 사단법인을 만들자라고 이렇게 좋은 표현을 합니다. 그러한 그 스포츠 미래의 스포츠 스타를 양성하기 위해서는 어떤 행정적인 것도 필요하지만 가장 중요한 건 시설이었어요. 당시에 최순실에게 시설 문제를 얘기를 했고 최순실은 며칠 있다가 문서를 갖다 줍니다. 그 문서에는 한국에 있는 스포츠 센터죠. 스포츠 센터 두 건에 대해서 갖다 줍니다. 그래서 비교를 해서 좋은 방향으로 사용할 수 있는 센터를 선정을 하면 그 센터의 운영권과 시설을 사용할 수 있는 권한을 받을 수 있다라고 얘기를 하죠. 그거는 국민의 세금으로 만드는 거고 어떤 개인의 이익에 의해서 사유화돼서는 안 되는 시설물이었던 거죠. 당시에 그런 걸 봤을 때에는
그거야말로 부정부패다, 권력형 비리다라고 생각했던 거죠. 그리고 이제 그 더 함께 일하면서 많은 자료를 수집하려고 했으나 제가 불과 한 달도 안 돼서 해고를 당하죠. 그래서 그때 당시에 이제 자료 수집이 이제 물거품이 돼요. 처음부터 이 동역할 수 있습니다. 네네. 네. 뭐, parce que comme c'était déjà quand il était jeune, il était à l'université, université spécialisée de sport, et il était président des délégués des étudiants. Donc à ce moment-là, qui pense toujours la justice et puis la honnêteté. Donc toujours il a une espèce de devoir en tant que sa responsabilité de voir la société de la société coréenne. En fait, après 2014, au mois de mars, il a rencontré Madame Choi Soon-sil. Elle a proposé justement ce qu'il a attendu, c'est-à-dire que là en Corée, il y en a beaucoup de stars, il y en a beaucoup de stars sportives. Mais après, certains moments après, ils sont vraiment en état, il n'y a pas de après. C'est-à-dire qu'ils perdent en prenant l'âge, ils perdent de travail et ça devient vraiment, on rencontre la difficulté financière. Donc des gens qui travaillent pour ou quelqu'un qui ramasse des choses, etc. Donc lui, il a pensé en disant que ah, c'était très bonne idée pour sauver, entre guillemets, des sportives, pour préserver à l'avenir au niveau de travail et puis pour leur savoir-faire, pour transmettre leur technique aux jeunes. Donc il a pensé, mais elle a proposé la deuxième chose, comme quoi, toi, il y en a le grand centre de sport, sport en Corée, il y en a deux grands. Donc si je t'amène, je t'apporte, il y a deux grands centres, est-ce que tu peux gérer tu peux gérer le management ou tu peux utiliser de cet établissement. Tu auras à avoir ce droit. Alors à ce moment-là, il a pensé que c'est un établissement public. C'est pas normal un quelqu'un privé qui peut y utiliser, qui a le droit de faire le management, etc. Donc il a pensé déjà c'est bizarre, c'était il y a une certaine corruption qui sera dedans. Et après, mais malheureusement, il a pensé déjà dès le début qu'est-ce que c'est, je vais voir, je vais creuser un peu plus. Mais malheureusement, il a été licencié au bout d'un mois. Donc c'était. Mais justement, ma question c'est compte tenu de l'énormité de ce qu'il a affronté, sur quelle force sociale, politique il a pu s'appuyer, ont pu se mobiliser pour aboutir au mouvement qui a permis la destitution de ce pouvoir, parce que c'était un truc énorme. Comment politiquement, socialement, les gens se sont ralliés à lui, ou comment ce mouvement est né et a pu prendre une tournure politique concrète? C'est ça ma question. 이제 그렇게 마음 다짐을 가지시고 지금까지 자료를 모으셨고 했잖아요. 네. 그 자료를 모으시고 난 다음에 이거 그러니까 어떤 식으로 해서 이게 사회적으로 문제가 된다고 인식하게끔 만드는 그런 사건들이 있었는지, 그러니까 네. 처음에 원래 일하셨던 그 최순실과 같이 일하셨던 그 시기를 말하는 게 아니라 네. 그 다음에 어떻게 박근혜가 퇴진이 될 때까지 박근혜 퇴진할 때까지 그러니까는 노승일 씨가 증인으로서 나서기 시작한 때부터 박근혜 퇴진에 이르기까지 박근혜 탄핵까지 이르기까지 어떤 사회적인 어떤 연대와 힘 이런 것들이 어디서 나왔다고 생각하시는지 여쭤보는 거예요. Ça traduit ma question. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça. Mais parce qu'en Corée, en fait. On commence à expliquer comment ça s'est passé. Et puis c'est la première chose, c'est que déjà né l'histoire de justice pour voir, voir oui. la société. Mais vrai. Donc après, comment il a rencontré. En fait, en vrai, il est absolument seul. Absolument seul avec toutes les histoires. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Non, au départ, non, rien. Non, tu parles pas au départ. Comment, il est seul, on a compris, mais il a mobilisé des gens. Il y a des forces.
Oui, mais justement, c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est ça qui est étonnant, comment un homme seul a pu arriver à détruire cette dictature surpuissante qui dirige, qui a tout le pouvoir économique, politique, comment un homme tout seul, comme ça, un jeune sportif, étudiant, va pouvoir mobiliser, arriver, avec sans doute beaucoup de difficultés, mais mobiliser beaucoup de monde. Peut-être un codicille, est-ce que tout ça, c'est aussi lié quand il a commencé à témoigner devant les commissions? Ou est-ce qu'il a déjà pu avoir des échos dans les médias, dans les manifestants? Donc une petite précision, c'est septembre 2016, hein, tout à l'heure j'ai dit une erreur, le début des mois sociaux. 9월부터 그때 JTBC에서 내 태블릿 발견했을 때 그때부터 그 전부터죠. 그러니까 그 사이에 혼자 있었는데 어떤 식으로 뭐 미디어가 먼저 언론이 먼저 얘기를 했느냐 아니면은 뭐 얘기 다른 사람이 이거에 대해서 문제 제기를 하면서 이제 노승희 씨도 같이 참여해서 그 논쟁에 어떤 제 이제 증거 같은 걸 제시하게 된지 뭐 이런 것들 2014년 3월 달에 이제 최순실 씨를 처음 만났고, 한 달 만에 이제 해고를 당했고요. 1년 4개월이라는 시간이 또 지나요. 그때는. 그러니까 설명을 다 하셨어요, 지금. 하고, 2015년 8월 달에, 이제 7월 말일 날 최순실 씨를 다시 만나게 돼요. 그래서 독일을 제안을 해요. 독일을 제안을 했을 때, 당시에, 대한승마협회 회장사는 한화 그룹이었었는데, 한화 그룹에서 삼성 그룹으로 바뀌어요. 삼성전자로 대한승마협회 회장사가 메인 스폰서가 바뀌는 거죠. 회장사가 바뀌면서 최순실이 독일 모델을 제시를 해요. 독일 모델을 제시를 했는데 당시에 그 대한민국은 승마 선수가 아시안게임에서 금메달을 땄지만 올림픽에서는 메달을 못 땄었어요. 그래서 2020년 도쿄올림픽에서 금메달을 목표로 해서 프로젝트가 만들어집니다. 네. 잠깐만요. 네네. 토요 가려면 그게 잘려야 돼요. 네. 죄송해요. 제가 이렇게 한 거 좀 통역했었죠. 아, 괜찮아요. 예. 아니, 어느 때 그 이렇게 네. 인터뷰장 하라고 하셔서 괜찮습니다. 감사합니다. 근데 네, 죄송합니다. 지금 mais parce que comme c'était en fait pour l'histoire, c'était découvert au mois de octobre par JTBC, mais lui, il a déjà de tous les documents. JTBC, c'est quoi? JTBC, c'est comme une émission de télévision. C'était le premier découvert. Une émission d'investigation qui a révélé le scandale. Et voilà, le premier, c'est au mois d'octobre 2016. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle appartient au groupe Samsung, en fait. Justement. Donc, il y a une particularité un peu bizarre. 근데 지금 이분들이 굉장히 중요한 건 뭐냐면 혼자 어떻게 이런 일을 할 수 있냐고 믿을 수 없는 거예요. 혼자 이랬을 때 그게 지금 아까 설명하실 때 제가 아까 말씀드리려고 했던 건데 못 드린 게 뭐였냐면 승마에 대해서 말씀 안 하셨어요. 승마 얘기는 그 전이에요. 그 전. 네. 2014년부터죠. 그때 2015년 8월 달이 네. 8월 11일 날 이제 제가 독일 가면서 네, 그때 국회에서 논의가 있었잖아요. 그렇죠. 2015년 8월 26일 날 삼성과 최순실이 만든 코어 스포츠하고 독일에서 계약을 합니다. 프랑크푸르트에서. 계약을 하면서 지원이 이제 결정이 돼요. 지원이 결정이 되면서 당시에 그 삼성과 최순실이 만든 코어스포츠는 당시에 존재하지 않는 회사였었던 거죠. 제가 8월 11일 날 독일로 갔을 때에는 회사를 만들러 갔던 거예요. 네. 스포츠 매니지먼트 회사를 만들러 그러면 그 갔고. 그거에 대한 자금 지원을 국회에서 예산 통과하고 이런 거였나요? 아니요. 아니, 그런 거 네. 그건 아니죠. 그래서 제가 이제 독일로 넘어가서 코어 스포츠를 만들고, 근데 코어 스포츠를 만드는 과정에서 이상한 걸 발견을 해요. 글로벌 기업인 삼성전자에서 왜 있지도 않은 회사와 계약을 하려고 하는지, 또한 삼성그룹은 글로벌 회사로서 수많은 스포츠팀을 갖고 있어요. 그래서 이들이 직접 관리를 하면, 지금 현재 만드는 코어 스포츠보다는 훨씬 더 관리가 체계적으로 잘 이루어질 거라고 저는 생각을 했던 거죠. 근데 굳이 삼성에서 독일에 있는 아무것도 만들어지지 않은 회사와 계약을 체결하려고 한국에서 구두적으로 다 모든 게 다 협상이 돼 있고 최순실은 가서 회사만 만들면 삼성과 바로 계약을 해서 돈을 받는 그 구조였던 거죠. 네, 잠깐만요. En fait, ce qui est important à savoir, avant de parler de tout ce qui s'est passé autour de tablette, déjà il y avait un débat très important autour de l'équitation en Corée. Donc dans et c'était avant 2000 2015
그 승마 특혜 관련해서 그 국회에서 얘기 나온 게 언제죠? 그건 2014년 그쵸, 3월 달입니다. 대정부질문에서. En 2014, il y avait un débat dans le parlement autour de la disons du financement ou la promotion de l'équitation. Qui était une des activités sportives assez minoritaires en Corée du Sud. Et donc, il y avait des députés qui demandaient au gouvernement pourquoi le gouvernement actuel, donc sous Park Geun-hye, voulait investir dans l'équitation. On ne comprenait pas. Donc, il y a déjà des députés qui commençaient à investiguer autour de ces questions-là. On ne savait pas trop quoi. Et après 2015, quand il a travaillé pour créer une fondation, et il a dû travailler pour la création des entreprises. Et donc quand il a commencé à travailler et qu'il a été licencié, après il était réembauché, etc. Donc en 2015, en août 2015, il devait aller en Allemagne. Et c'était la demande de Choi Jun-sil d'aller en Allemagne. Et qu'il a découvert en Allemagne que l'entreprise dans laquelle il devait travailler n'était pas créée. Et cette entreprise, sa mission était de créer cette entreprise. Deuxièmement, il savait qu'il y a Samsung qui voulait financer cette entreprise. Et un peu avant, Samsung a pris la présidence d'une fondation qui promeut l'équitation. Donc quand il est arrivé en Allemagne, il a découvert que l'entreprise pour laquelle il devait travailler n'existait pas et qu'il fallait le créer. Et Samsung attendait pour verser des fonds pour cette entreprise. Donc il s'est douté de ça. Donc il y avait les événements sont un peu partis par là. Mais vous allez voir que ça oui, donc on attend la suite maintenant. Mais justement, mais quand il était absolument seul. Oui, il justement. A douté, et puis il y en a tout est. Affaire déjà commencé avant, mais finalement on arrive avant 40 ans avant, vous voyez, franchement. Et après, à partir de 2014 et 2015, c'est révélé. Mais c'était une première révélation publique à la télé. Justement, c'était au mois d'octobre. Lui, il était étonné. Il dit mon Dieu, alors qu'est-ce que je vais faire? Là, il avait déjà cet rassemblement de preuves. Ce qu'il Fourni ses preuves aux enquêteurs, enfin aux journalistes qui avaient révéler le scandale, non? Pas du tout. Parce que quand il a eu peur, évidemment, on regarde après le pouvoir de. Pendant le pouvoir de Mme Park Geun-hye, et puis pour la justice, c'était corrompu aussi. Et les médias sont aussi, ils ne pouvaient pas faire confiance. Donc il a beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité. Mais voilà, après, je vais écouter après l'histoire. 그래서 삼성하고의 그 계약 문제에서 이상한 점을 발견을 했고, 그래서 2015년 8월 11일 날 제가 독일에 도착하면서 프랑크푸르트에 도착하면서 제가 이제 영수증부터 다 모으기 시작해요. Donc en fait, à partir de l'arrivée en Allemagne, il commençait à ramasser toutes ses preuves, donc notamment les notes, etc. etc. Il commençait à cumuler les preuves, comme disait celui-là. Ça commençait alors. 제가 이제 2015년 8월 26일 날 삼성전자와 코어스포츠가 인터컨티넨탈 프랑크푸르트 인터컨티넨탈 호텔에서 계약을 체결하면서 최순실이 저한테 또 한번 나가라 그래요. 그날 바로 보름 만에. Ah, dès mais après, en fait, quand il est arrivé en Allemagne le 11 août 2015 et il a été licencié le 16 août 2015 parce que Choi Jun-sil lui a demandé après avoir le contrat signé entre Samsung et l'entreprise. 그래서 독일에서 힘들게 있으면서 삼성전자와 왔다 갔다 했던 뭐 계약서라든가 그다음에 최순실이 계약했던 비블리스 마장 계약서. 그 다음에 코어 스포츠에 관련된 그 주주 명부, 그 상업 등기 이런 것들을 제가 이제 문서를 갖고 있었거든요. Donc en fait, même s'il a travaillé pendant 5 jours, il avait tous les documents officiels administratifs très importants, donc il avait gardé ça. 그래서 중요한 문서들을 제가 이제 제 손에 들어오면서 제가 그걸 이제 일부 스캔을 해요. 전체 스캔을 하고 복사를 하고 혼자만이 어떻게 이런 생각을 할 수 있었냐는 그 질문하셨는데 그게 정말 간단했어요. 너무 복잡하게 생각하면 안 됐었어요.
내가 이거를 기자한테 줄 건가, 아니면 언론이 뭐 방송국에 줄 건가, 아니면 누구한테 줄 건가, 이거에 대해서는 고민을 안 했어요. 왜? Il a, en fait, à ce moment-là, il a même pas pensé à qui il va donner ses documents. 가장 seul. 가장 il a imaginé qu'il va donner à quelqu'un, il va dénoncer. Mais il a vraiment gardé en fait sans froid avant de commencer. 가장 단순하게 생각할 수 있었던 건 딱 하나예요. 그게 해답이었었어요. 뭐냐면 자료를 모아서 누구한테 전달해 주냐. 그거를 갖고 고민을 많이 했거든요. 그게 지금 현재 그때 당시에 자료를 모아서 전달해 주려고 했던 사람은 저 전달을 못 해줬지만 전달해 주려고 했던 사람은 지금의 대통령이 대한민국 대통령이 문재인 대통령이었어요. 네, 이 책에 그게 써 있어. La première personne à qui il a pensé pour vous donner ces documents, c'était le président actuel. C'était candidat opposant. Oui. Mais, Moon Jae-in qui était à l'époque était le dirigeant de l'opposition. Qui était le dirigeant de l'opposition. Il n'a pas pu donner. Donc il a pensé, mais il n'a pas pu donner il a pas pu. À lui. 주위에서는 그런 생각도 그런 얘기도 많이 했었어요. 저한테 무슨 얘기를 했었냐면, 네가 이 자료를 그때 당시에는 야당이었었죠, 민주당이. 야당한테 전달해주면 야당은 집권 여당인 당시 이제 새누리당이었죠. 정치적 딜로 인해서 그 자료는 묵살될 것이라고 얘기했어요. 누구였나요? 네, 그러니까 네. 도와주신 분들이 네, 있을 거라고 하잖아요. 네, 네. 아, 그거는 이제 그 제 친구하고 얘기를 했었어요. En fait, il avait quelques amis à qui il a confié ses secrets et il a demandé des conseils et eux, donc ses amis lui ont dit qu'il ne faut pas donner aux partis opposants parce qu'eux, ils vont, en quelque sorte, ils vont partager ces informations et... Donc ça va pas être efficace pour dénoncer. Donc il a arrêté. 그래서 그 친구하고 얘기를 했을 때 그 친구는 언론에다 갖다 주면 지금 현재 청와대에 있는 박근혜는 언론을 장악하는 힘을 갖고 있기 때문에 언론에다 갖다 줘봤다 다 취재국이 될 거고 나만 위원님이 될 거다 라고 얘기를 했던 거죠. 그래서 제가 그 친구한테 너는 그래서 하수라고 얘기를 해요. 이거를 왜 언론에다 갖다 주냐. 그래서 지금 현재 대한민국 대통령이 문재인 대통령이 언급이 돼요. 왜? 문재인 대통령은 당시에 2012년 때 박근혜와 같이 대선에서 겨뤘고 당시에 전에 이제 야당이었던 야당 당대표였었잖아요. 그분한테 자료를 전달이 되면 정치적 딜은 없다. 그분은 정말 신념이 강했던 사람으로 저는 생각을 했거든요. 그래서 그분한테 갖다 주면은 저는 그냥 자료만 모으고 그분한테 갖다 주면 모든 문제가 해결이 될 것이다라고 저는 생각을 했죠. 정말 단순하게 생각했던 거죠. 예. 그래서 자료를 모았던 거죠. 예. 그래서 그 시기는 시기도 이제 조율을 해요. 시기도 이제 그 친구랑 이제 대화를 하면서 조율을 하는데 그 친구가 이제 여러분도 아시는 고영태라는 친구예요. 예. 고영태의 소개로 제가 독일에 갔고 고영태라는 친구는 제가 자료를 모으는지 알고 있었어요. 아, en fait, 네. vous connaîtrez peut-être un autre personnage important de ancien collaborateur de Che Soon-sil. Il s'appelle Monsieur Ko, qui était un ami. Et en fait, Koyante a présenté Soon-sil, donc le monsieur, à Che Soon-sil. Et donc Soon-sil a confié ses secrets à ce monsieur. Et donc quand il est parti en Allemagne, il savait, donc Koyante et Monsignil se communiquaient et il savait que voilà, des informations, il va raconter ces informations, les preuves de la corruption de Che Soon-sil. Et donc il continue à discuter avec lui et donc il y avait plusieurs personnes, voilà, il y avait plusieurs possibilités de divulgation de l'information et que Moon Jae-in était mentionné parce que justement, il est un des rares personnages politiques qui est honnête, qui est intègre. Donc, oui, surtout, il était adversaire de Pakenay oui. en 2012. Et il dit qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui lui a empêché? Parce qu'à cette époque-là, Moon Jae-in est très accessible, en fait. Oui. Pourquoi il n'a pas pu donner l'information? Oui, Moon Jae-in s'est reconnu, il n'y a pas eu la question. Ah, oui. 그 부분은 제가 2015년 11월 30일 날 다시 한국으로 다시 돌아와요. 2015년 11월 30일. 네, 30날 최순실한테 해고를 당하고 11월 30일 날 다시 이제 한국으로 이제 돌아와서
이 자료를 갖고 문재인 지금의 당시에 이제 문재인 국회의원이었죠. 문재인 지금 현재 대통령한테 당시에 전달해 주려고 했지만 이 자료를 한 번 더 묵혀놔요. 왜요? 예. 왜 묵혀놓으려고 했었냐면은 이 자료를 갖고 2015년 12월 달에 대검찰청으로 가려고 했던 거예요, 제가. 아, 2015년? 네, 12월 달에. 12월 달에? 네. 아, 대검찰청을 가려고 했던 거죠. 아, 그런데 거기에서 고용태를 통해서 최순실한테 연락이 와요. 그래서 최순실을 만났고, 최순실이 이제 K스포츠 입사를 제안을 해요. 네. 근데 K스포츠라는 게 좀 아까 이제 서두에 언급하셨지만, 전경련에 속해 있는 회원사, 회원 기업들이 돈을 출연해서 만든 게 재단이었는데, 그 재단은, 최순실과 전혀 상관이 없다라고 이제 소개를 하면서 제가 재단에 입사를 합니다. 그리고 2015년 12월 달에 대검찰청으로 가려고 했는데 그 자료가 한 번 더 묵혀진 이유가 뭐냐면은 당시에 박근혜가 갖고 있었던 힘은 어마어마했었던 거죠. En novembre 2015, il est retourné en Corée. Il voulait En fait, il a hésité à aller entre à Moon Jae-in, qui était député à cette époque-là, ou au parquet, parquet central. Donc, il voulait aller au parquet. Pour voir la justice, quoi. Voilà, aller à la justice. Par contre, à peu près au même moment, quand il est revenu en Corée, donc Choi Soon-sil a demandé à Monsieur Ko, donc un ami, l'intermédiaire. Travailler dans la fondation K-Sports. Donc il n'a pas pu refuser parce que Monsieur Ko disait que K-Sports n'a rien à voir avec Choi Soon-sil et en plus c'est une fondation créée par les dons des entreprises, des grandes entreprises coréennes. Medec, comme qui? Medec ici, équivalent de Medec. 정경련이요. 정경련 얘기는 그냥 간단하게. 네. 그거 좀 메덱이랑 같은 거 아니에요? Il y a une grande fondation des entreprises, c'est équivalent de MEDEF. Oui, c'est le syndicat patronal alors. Tout à fait. Qui a financé. Donc, à qui on sait que Kone a demandé des fonds pour créer la fondation K-Sport. Pour subventionner. Tout à fait. Pas 힘도 있고 청와대 막강한 힘도 있고 최순실이 K스포츠 입사를 제안을 하면서 다시 한번 K스포츠에 제가 입사를 하게 돼요. 그래서 K스포츠에 입사를 했는데 거기에서 최순실과 일을 하면서 더 큰 자료들이 들어와요. 그게 뭐냐면 문화체육관광부의 자료와 그다음에 청와대의 자료가 나와요. 그 자료들을 접하면서 그게 K스포츠와 K스포츠가 청와대와 연결이 돼 있다는 걸 제가 이제 인지를 하게 돼요. 잠깐만요. 한 가지만 여쭤보지 번역할게요. 최순실이랑 관련이 없다고 알고 들어가셨다고 했는데 네네. 들어가 보니까 관련이 있었다는 거죠. 그렇죠. 그게 최순실은 K스포츠는 전경련이란 순수한 전경련에서 만든 순수한 재단이라고 얘기를 했는데 들어가서 막상 들어가서 보니까 최순실은 WK를 만들었어요. 동시에. 그래서 WK가 K스포츠를 운영하는 브레인 역할을 했던 거죠. 헤드 역할을 했던 거죠. 네. 그래서 최순실의 영향력이 막강한 재단이다. 이렇게 생각했던 거죠. WK는 회사죠? 네. WK는 스포츠 매니지먼트 회사입니다. Tout à l'heure, j'ai oublié une chose. Quand il a dû accepter l'offre d'emploi dans la fondation, le pouvoir de Pakone était très, très important. Donc, il ne pourrait pas vraiment faire une dénonciation tout de suite. Et après, quand il a accepté de rentrer dans cette fondation, au début, il pensait qu'il ne travaillerait pas avec Choi Soon-sil. Mais en même temps que Choi Soon-sil, la fondation K-Sports a été créée. Choi Soon-sil a créé une entreprise donc privée qui s'appelle WK
et double K, donc la structure de dirigeant, donc de la direction de la fondation, appartenait à l'entreprise que Choi Soon-sil dirigeait. Donc, au final, il a travaillé avec Choi Soon-sil et quand il commençait à travailler dans K-Sports, il a commencé à voir beaucoup d'autres documents qui arrivaient, mais de la part du ministère de la Culture ou des entreprises, des grandes entreprises. Donc, les maisons bleues aussi, les maisons bleues. Ah, les maisons bleues. Donc, maisons bleues, la présidence sud-coréenne. Voilà, maisons bleues, c'est la présidence sud-coréenne. C'est la présidence, d'accord. Oui. C'est l'Élysée coréen. C'est l'Élysée coréen. Donc, il était sûr que la fondation avait un lien avec Jésus-Christ, mais aussi avec Park Geun-hye. Parce que ça, c'est dans le mois avant qu'il se fasse virer. Non, en fait, il a été réembauché en novembre. Réembauché, un an après. Oui, si je comprends bien, il a eu un premier contrat en mars 2014. Et ensuite, il a retravaillé en août 2015 en Allemagne pour la mise en place de la fondation. Et après, il a retravaillé à l'automne. En fait, il a fait plusieurs contrats courts. Voilà, oui. Exactement. La question c'est pourquoi vous pensez que Choi Soon-sil vous demandait de travailler à nouveau même après avec quelle raison il a accepté encore deuxième fois 그 결정을 할 때는 독일로 갈 때를 말씀하시는 건데 2014년 3월 달에 뭐 한 달 만에 해고가 되고 또 1년 4개월 만에 Choi Soon-sil 보좌를 해서 봤는데 어떻게 독일을 가게 돼 결정을 했냐 이런 말씀이시잖아요. 많은 고민을 했습니다. 뭐 내가 독일에 가서 영원히 일한다는 보장도 없고 기껏해야 3개월 만에 또 해고가 될 수 있는 그런 상황이라는 거는 충분히 인지를 했죠. 하지만 독일에 가려고 가야 되겠다는 결정을 한 게 뭐냐면은 그 전에 2014년 3월 달에 Choi Soon-sil은 권력형 비리라는 걸 저한테 알려줬잖아요. 그래서 삼성과 코어 스포츠 없는 회사와 계약을 한다는 삼성이 이거는 뭔가가 있을 것이다. 만약에 내가 여기에서 또 해고될 것을 두려워해서 안 간다면 정의에 반하는 행동이라고 저는 생각을 했던 거예요. 네. Alors l'explication c'est 그런 거는 지금 노승현 씨의 관점이 그런 거고 거꾸로 왜 최순실 씨가 이미 한번 해고한 사람을 몇 번이나 불렀 왜 노승현 씩을 여러 번 같이 나죠 불렀다고 생각하세요? 한 달 만에 2014년 3월 달에 제가 최순실 한 달 만에 이제 해고가 됐을 때는 그때 해고됐을 때 같이 뭐 한 달 정도 일했을 때 장소가 압구정동에 있는 대통령 의상실이었어요. 박근혜 대통령 의상을 만드는 의상실이었는데 제가 그렇게 어이없이 해고를 당하고도 어떠한 언론 기사에 나가지도 않는 거예요. 아. 입이 무거웠다는 거죠. 최순실 생각할 때는. En fait, la question au début, il y avait un malentendu, donc je les ai interrompus. La question était, je reprends parce que c'est important, je crois. Donc le monsieur a demandé pourquoi Choi Soon-sil a demandé à Moussouni de travailler ensemble. Trois fois et donc je passe à la réponse la bonne réponse donc la deuxième partie de notre conversation c'est parce que elle a vu que quand elle a licencié monsieur No elle a vu que bah il y avait aucun écho donc il y avait pas de médias il y avait pas de mais il y avait même pas un article qui parlait de licenciement injuste etc donc elle croyait que le monsieur avait comment on peut dire il est prudent il parle pas vraiment beaucoup donc je ne sais pas si elle a vraiment fait confiance elle avait une confiance c'est-à-dire elle vous a elle vous a fait confiance 그렇죠 그러니까 최순실이 생각할 때는 같이 일하는 최순실의 일하는 스타일은 그래요 조용조용해야 되고 또 은밀해야 돼요 본인과 같이 일하는 게 밖으로 새나가면 안 돼요 근데 저는 한 번은 해고를 당했지만 본인과 일했던 게 밖으로 새나가진 않았잖아요 그리고 삼성에서 독일에서 그렇게 혹독하게 저한테 했는데도 불구하고 한국에서 어떤 기사도 안 나갔잖아요 그래서 최순실이
이 사람은 믿을만하다. 믿을만하다 생각해서 다시 K 스포츠를 입사를 시켜주는 거죠. elle lui faisait confiance à mesure où elle pensait qu'il serait passif et qu'il ne prendrait aucun risque et voilà et que ce serait quelqu'un donc de manipulable jusqu'à la fin. Absolument. Oui. Mais c'est réciproque les deux finalement. Lui aussi il ne pouvait pas renoncer parce que il a envie de savoir plus. Donc il a profité. Il a beaucoup hésité d'aller. Est-ce que j'accepte d'aller en Allemagne? Certainement, au bout de 3 mois, tu serais licencié. Mais d'un côté, et on va voir. C'est ça. Paul aussi. 굉장히 지역적이기도 한데, 좀 이미 전 한국 사람이니까 이렇게 대충 다 이렇게 언론에서 아마 이렇게 하나둘을 해서 대충 내용 전개를 이렇게 생소하지가 않아요. 다 알고 있는데. 좀 이제 노승일 씨께서 특별히 오셨으니까 그 부분의 디테일한 건 저희가 잘 모르고 상황이 좀 그 궁금한 점이 있습니다. 아주 지역적이지만 삼성이 아직 그 만들어지지 않은 그렇지만 만들어지진 않았지만 만들어질 걸로 계획이 돼 있는 회사에 투자를 한다. 는 게 범죄의 여건은 아니거든요. 거기서 범죄를 느끼고 사실 자체만은 전혀 범죄적이지 않고 있을 수 있어요. 그다음에 두 번째는 삼성은 워낙 그런 많은데 그 비정상적인데도 투자를 많이 하고 그런 것들은 이미 한국 사회에서 그냥 누구나 다 봐서 넘겨가는 통상적인 그냥 있을 수 있는 중에 하나. 모든 사람들이든 한국 사람들 중에 뭐 프로젝트를 가지고 있는 사람은 아 누구한테 가서 스폰서를 할까 하면 삼성 먼저 가고 그러니까 그런 상황들은 굉장히 그 루틴한 게 한국 사회인데 거기서 어떻게 이게 굉장히 아노말하고 비리가 거기서부터 그 단계에서부터 느끼실 수 있었는지 그걸 그래서 거기에서 그런 거를 기록을 남기기 위해서 다 미리 준비하셨다는 게 저는 굉장히 놀랐거든요. 그래서 그런 거에 대한 좀 결정적인 그런 그 동기가 있으셨는지 그 전에도 여러 번 그런 걸 느끼셨겠지만 아직 만들어지지 않았고 거기에다가 삼성이 투자를 한다고 하는 그 순간에는 사실은 아무런 그 이제 범죄적인 요소를 발견하기 어려우셨을 건데 어떻게 그 시점에서부터 그런 거를 느끼셔서 했는지 그런 점은 좀 지역적이지만 굉장히 궁금한 분야입니다. 한국말로 그냥 간단하게 주셔도 좋고. 네. 또 불안. 또는. Non, non, je dis question se pose et au moment de création d'une société avant qu'il ne soit créé, déjà il y a un projet qui existe. Donc il y a grandes entreprises Samsung a proposé d'investissement à une entreprise qui est en cours de création. Mais ce simple fait ne constitue pas quelque chose, ça peut être anormalie, mais si c'est difficile de sentir. Il y a quelque chose criminel qui n'est pas au la loi. Donc, c'est pas normal, mais ça n'est pas un délit. À ce stade, est-ce que comment il pourrait déjà penser, sentir ou prévoir qu'il va y avoir quelque chose vraiment, des choses extraordinaires, corruption. Peut-être qu'il n'a pas encore tout dit au niveau de ces petits détails. Mais moi, je suis curieux, ce genre de détails. Je vois bien quand même, c'est pour mieux comprendre un monsieur, non. Je pense que ces petits détails, ça peut nous aider pour les imaginer et pour savoir ce qu'il a fait au début, depuis le début. Voilà, c'est ma question. Quand il cache une chose. 제가 말씀드렸죠. 서두에 말씀드렸다시피 삼성전자가 굳이 독일에 있는 만들어지지 않는 회사와 독일에서 계약을 체결한다는 거. 또한 독일에서 만들어질 회사는 최순실 회사라는 걸 삼성도 충분히 알았으리라고 저는 생각을 해요. 그리고 제가
당시에 한국에서는 무슨 일이 있었냐면은 2015년도 7월 달에 무슨 일이 있었냐면 삼성물산과 제일모직이 합병 문제가 일어나요. 그러면서 당시에 캐스팅보드 역할을 했던 게 국민연금이에요. 국민연금이 만약에 찬성표를 던지지 않았으면 삼성물산과 제일모직은 합병이 안 됐던 상황이었던 거죠. 최순실은 명분을 앞세우지만 본인한테 이익이 돌아오지 않는 명분을 앞세우진 않아요. 프로젝트는 하질 않는다. 그러니까 무슨 문제가 생기면 이익을 챙기다 무슨 문제가 생기면 명분을 앞세워서 본인은 이래서 이걸 했다라고 해서 포장을 해서 본인은 빠져나오려고 하는 그런 마인드를 갖고 있는 사람이고 그렇게 일을 계속 진행해 왔어요. 막상 가보니까 회사는 없고 제가 이제 가서 이제 회사를 만들어야 되는 상황이었던 거죠. 당시에 최순실은 저한테 회사를 정상적으로 만들지 말고 삼성이랑 계약을 빨리 서둘러야 되니까 페이퍼 컴퍼니를 사라고 얘기를 해요. 네. Oui, qu'est-ce qui a fait naître des soupçons de système criminel, de corruption, que finalement toute cette histoire va révéler à partir des premiers éléments auxquels va être confronté monsieur. Donc monsieur No a décidé d'aller en Allemagne et que la première chose, le premier élément, c'était de voir Jason Seale qui veut créer une entreprise qui n'existait que sur papier. En Corée, on appelle ça paper company. Et il a eu cette demande-là et il a vu plusieurs éléments de contexte dans lesquels nous pouvions deviner que Samsung connaissait qui sera le patron de cette entreprise. Deuxième chose, à ce moment, donc au moment où il est oui, il a compris tout de suite que en Allemagne, si j'ai bien compris, oui. Donc que l'entreprise était fictive oui. Et qu'elle était destinée à être une coquille mm-hmm. Pour des transferts de fonds et des manipulations financières. Pourquoi l'Allemagne oui. Parce qu'en fait, attendez, tout à l'heure, on a parlé de l'équitation. C'est un pays exemplaire. Jason Seale cherchait un modèle, pour faire un benchmarking. Donc pour prendre un benchmarking, elle a pensé que le modèle allemand pouvait être intéressant. Ah, 최순실이 독일을 선택한 이유는 당시에는 몰랐어요. 당시에는 2015년도에 삼성이랑 계약할 때도 당시에는 몰랐어요. 당시에는 딱 두 사람만 알고 있었어요. 제가 누구를 알고 있었냐면 데이비드 윤이라는 사람을 알고 있었고 그 사람은 한국에서 이제 미팅을 가졌고 독일에서 이제 두 번째 만나게 됐는데 최순실이 그 전에도 많이 사업 파트너로 일을 많이 했다고 하더라고요. 데이비드 윤하고 나중에 안 사 상황은 뭐냐면은. 국정농단이 일어나고 뭐 독일에 가서 여러 사람들 만나본 결과 최순실이 알았던 지인들이 많았던 거예요 독일에. 그래서 최순실은 지인이 많은 독일을 택하지 않았을까 그 생각을 했던 거죠. Après la deuxième raison peut-être plus importante que la première c'est parce que en Allemagne Jason Seale connaissait beaucoup de gens, notamment David Hume. Donc c'était la première personne que le Sonsil a rencontré, c'était un monsieur, donc le coréen, qui s'est installé en Allemagne et qui... Un homme d'affaires. Je sais pas. Mais... David Hume. Donc il travaille, M. Nu a travaillé avec David Hume depuis le début. 그럼 최순실도 저한테 얘기해요. 데이비드 윤하고 저하고 같이 다니면은 너무 믿지 말아라. 내가 쟤한테 사업을 제안받고 몇 번 하다가 사기를 몇 번 당했다라고 얘기를 해요. 네, 네. Et en plus, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jason Seale a dit à M. No que voilà, il faut se méfier de David Hume parce que je me suis
En fait, sa façon de diriger l'entreprise, pour faire soupçonner l'un et l'autre. Oui, c'est un vrai panier de crabes, comme on dit en français. Mais bon, oui, parce qu'aussi que Samsung a aidé vraiment pour investir une entreprise petit, nouveau, même fausse, c'est parce que Samsung il avait besoin quelque chose en Corée. Voyez, donc c'est la Chaison Chies qui est propriétaire, il est derrière de grands puissants au Bas-Canet. Déjà, c'était tout est combiné de l'intérieur à l'extérieur. Donc il savait déjà comment le pouvoir de Chaison Chies. C'est ça. Donc, David Yoon이 있으면, David Yoon이 이제 최순 씨한테 최 회장님이라 부를 때도 있고 누님이라도 부를 때도 있어요. 그래서 굉장히 가까운 사이였구나라는 걸 생각을 했죠. 후에 알게 된 거는 데이비드 윤의 아버지와 최 태민과의 관계가 있었고 그러면서 어렸을 때부터 이들은 관계가 있으니까 누나, 동생으로 이렇게 부르면서 살았던 거죠. 그래서 지금도 제 생각에는 정유라가 독일을 택할 거라고 생각을 해요. 지금도 독일을 오려고 준비를 할 거고 정유라가 독일에 정착하기 위해서는 데이비드 윈의 힘이 절대적으로 필요할 거고 현재 데이비드 윈은 한국에서는 검찰에서 적색 수배를 내렸는데 인터폴을 통해서 근데 그게 행정상으로 지금 어렵다고 해요. 뭐냐면은 대한민국 법무부에서 외교부로 조회되고 대한민국 외교부에서 독일 외교부로 또 요청을 해야 되고 독일 외교부가 다시 독일 법무부로 이제 가서 몇 번에 걸쳐서 행정 절차 가야 되는데 한국 기사에는 적색 수배령을 내렸다고 하지만 제가 알기로는 데이비드는 현재 독일에서 적색 수배가 안 되는 상황으로 알고 있어요. 행정 절차 때문에. 예. 그 plus tard quand il travaille avec David Yoon, donc il a découvert que David Yoon était un des proches du père de Choi Soon-sil, donc le gourou de Park Geun-hye. Et donc il a ajouté un commentaire par rapport à David Yoon, parce que David Yoon peut être un soutien important pour la fille de Choi Soon-sil, qui est en liberté, et qui peut-être va envisager de venir en Allemagne pour s'installer au final. Et il pense... Sa fille donc, qui voulait devenir donc, championne olympique, hein. Dans le domaine de l'équitation. Il va y avoir un deuxième épisode par rapport à la fille. Oui, c'est un roman balzacien, comme on dirait, très compliqué, mais c'est du vrai roman, oui. C'est pour ça, je pense qu'aussi, en France, il n'y a pas beaucoup d'articles, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui comprenaient. C'est-à-dire qu'il faut raconter toute l'histoire et tous les personnages, c'est pour bien comprendre tout ça. Est-ce que je peux me permettre quand même de sauter à revenir à la question initiale, c'est-à-dire que donc on a bien compris tout ce contexte, mais comment donc on a bien noté qu'il y avait un beau jour une chaîne de télé qui, dans le cadre d'une émission d'investigation, commence, parce que les gens enquêtent, à révéler le scandale. Et comment on va passer de ces enquêtes journalistiques au témoignage clé de notre personnage principal de ce soir? Comment tout ça va se raccorder et comment va s'organiser un grand mouvement d'opinion donc qui va finir par la destitution de la présidente de la République de Corée?최순실한테 문체부 자료나 청와대 자료를 받은 상태였고 그 청와대 자료가 마지막에 박근혜를 탄핵시키는데 인용이 된 거죠. 제가 고영태를 불러서 제가 얘기를 해요. 2016년 3월 달에 이제 다 모든 걸 다 끝내자. 나 이제 대검찰청으로 가겠다라고 얘기를 하죠. 근데 영태가 한 번 더 참게 해요. 왜? 지금 네가 얘기해봤자 위에서 누르면 끝난다.
네가 더 위험해질 수 있다. 네. 그래서 한 번 더 참게 되는 거예요. 16년 3월 달에. 그 다음. 네. 그래서 2016년 7월 달에 무슨 일이 있었냐면은 그 2016년 7월 달에 한겨레에서 기사가 하나 나와요. 무슨 기사냐? 2016년 7월이요. 네, 네. Il doit reprendre l'histoire depuis début 2016. Je reviens en 2016, en mars 2016. Il a découvert tout ce qui s'est passé autour de la Maison Boulou, la fondation, etc., etc. Et il arrive, il a décidé d'aller au parquet central pour dénoncer. En mars 2016, il a retrouvé son confident Monsieur Ko. Il a dit, on va aller voir le parquet central. Le Monsieur Ko refuse pour raison de la puissance importante de Madame Park. Et après, donc il s'est calmé. Ensuite, en juillet 2016, il y avait un article de Hangeul qui était sorti. 네, 한겨레 신문에서 어떻게 나왔냐면은 당시에 그 K스포츠 이사장 정동춘과 최순실과의 관계가 나오는 기사가 나와요. 그래서 이 재단은 최순실과 관련이 있다. 이렇게 이제 기사가 한번 나오면서 한겨레 기사가 어떻게 보면은 국정농단의 불을 지펴준 거예요. 네. Donc en juillet 2016, un article de Hangeul, c'est un journal de tendance progressiste, je peux dire, qui est sorti, qui raconte les éléments de preuve, qui montre les éléments de preuve comme quoi le K-Sports, la fondation de K-Sports, a un lien avec Chesun-sil. Et lui, il pense que c'était le déclencheur de toutes les colères des citoyens. C'est lui qui a donné les informations. Non, il n'avait rien donné. Pour que ça déclenche cette colère, il fallait qu'il y ait quand même du ressentiment dans la population contre ces gens, contre la présidente, sa gourou, son Rasputin, etc. Il y avait déjà quand même une colère. Je pense qu'il ne veut pas trop raconter tous ces complexes. Oui. C'est un peu compliqué parce que 2007, je pense que c'est 2007, au début 2000, Park Geun-hye a commencé à reprendre son activité politique. Et il est devenu la représentante du parti de droite, etc., etc. Donc il y avait une longue histoire. Et pendant tout ce temps-là, il y avait des histoires qui sortaient de temps en temps dans les journaux déjà, en fait, qui racontent l'histoire, la liaison cachée de Park Geun-hye avec... avec le papa de Chae Seung-sil ou la violence entre les frères et sœurs de Park Geun-hye, parce qu'il y avait une violence très importante. Il y avait des bandes, des gangsters qui se battaient pour la fondation de la maman, de la mère de Park Geun-hye. Donc il y avait tout un tas d'histoires qu'on a connues déjà à travers les médias. Oui, il y avait quelque chose qui était un peu... Il y avait un contexte déjà social, problématique, au moment où surgissent ces révélations sur K-Sport. Oui, et aussi le soutien de Park Geun-hye, donc les extrêmes droites ou les radicaux, on a bien vu que comment il se comportait en fait dans l'espace public. Il y a tout un tas de choses qui existaient déjà, et Park Geun-hye n'a pas été vraiment le candidat le plus populaire pour l'élection 2012. Je pense que le déclenchement au niveau de la population, c'est quand on a découvert les ordinateurs dans les poubelles en Allemagne et qu'on s'est rendu compte que Chae corrigeait en fait les discours de Park Geun-hye. Donc à partir de là, qu'elle était manipulée par quelqu'un d'autre, que la présidente n'avait plus en fait l'autorité et la légitimité pour être présidente. Et c'est là qu'a eu un grand mouvement populaire pour... Elle n'avait plus intérêt à être au pouvoir et il fallait donc la destituer. Alors c'est là que réintervient notre héros. 그래서 이제 그 이분 생각은 JTBC 태블릿 보드가 핵심이었다고 생각하시는 얘기를 하셨고, 진짜 고민이 들고 일어나는 그 이제 그 시점 2016년 10월 시점에 네, 다시 돌아가면 한겨레에서 이제 기사가 K스포츠와 최순실의 관계를 언론에 세상 밖으로 내줬고 그게 이제 설왕설래 됐었어요. 싫어하냐 마냐. 그리고 가장 중요했던 거는 시민단체, 그 투기자본 감시 센터라는 시민단체가 K스포츠와 전경련,
미르와 미르 재단을 동시에 검찰에 고소를 한 거예요. 고발을 한 거죠. 16년 7월에. 그러면 자연적으로 저는 K스포츠 직원이기 때문에 검찰 조사를 가야 되는 거고, 수사가 이 투기자본 감지 센터 때문에 검찰에 고발이 되고 정식적으로 이제 진행이 된 준비 단계를 가죠. 그리고 당시에 언론에 지속적으로 나왔던 기사들을 청와대나 최순실은 잠재우려고 노력을 많이 했었어요. 아, 네. En fait, au même, à peu près au même moment de la sortie de cet article de Hangeul en juillet, il y avait un groupe de société civile qui surveille des fonds d'investissement de style malhonnête ou détourné. Voilà, donc il y a tout un tas de capitaux qui, il y avait des gens qui surveillaient des capitaux en fait qui étaient malhonnêtes, qui peuvent être très dangereux. Donc eux, ils ont accusé la fondation K-Sports et le MEDEF coréen. Il y avait des liens soupçonneux et il faut investiguer, il faut faire une investigation à la fondation K-Sports. 그러면서 투기자본 감시센터 고발을 하고 그 2010년 9월 달에 뭐가 있었냐면 국정감사가 있었어요. 국회에서 하는 국정감사가 있었는데 당시에 야당이었던 민주당에서 엄청난 프레스를 가해요. 네, 그래서 기사를 낳고 또 기사가 또 기사를 나는 언론에서 동력을 계속적으로 지속적으로 전달을 해주는 거죠. 그것들이 촛불로 갔지. 제 생각은 태블릿 PC가 촛불로 간 건 아니에요. 그때서부터 언론에서 나왔던 기사들로 또한 국정감사를 거치면서 촛불 집회가 어느 정도 형성이 된 거 아닌가라는 생각을 하지, 태블릿 PC가 2016년 10월 20날, 제 기억으로는 한 23일이라고 기억을 하고 있는데, 그때 나온 태블릿 PC 갖고, 촛불 집회는 2016년 10월 29일 날 저는 처음 켜진 걸로 알고 있거든요. 네, 네. 네. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 태블릿 PC가 대한민국의 촛불을 킨 게 아니라 그 전에 한겨레 신문서부터 누적됐던 모든 언론사의 기사들이 촛불 집회를 만들었다고 봐야 되는 거예요. 네. 이 과정에서 노 선생님께서 그런 기사가 나오거나 그런데 그 어떤 자료를 제공하시거나 그런 관련이 있으세요? 저는 청문회에 나가기 전까지는 제가 언론사하고 어떤 인터뷰도 안 합니다. 아, 네. 네. 그런데 그 Donc après le juillet, en septembre 2016, il y avait l'investigation nationale. On appelle, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais c'est l'audit des affaires des États. Donc tout un tas d'évaluations par rapport aux dépenses des ministères, etc. Donc on le fait un contrôle institutionnel du budget des dépenses de l'État. Tout à fait. Et donc en septembre. Le parti opposant de l'époque, il y avait plusieurs députés qui demandaient les faits par rapport à le scandale autour de la fondation K-Sports et aussi d'autres choses qui sont liées et qu'on a soulevées déjà bien avant. Donc on continue à faire et après, en fait, pendant cette période d'audit, les médias relayaient ces informations de façon beaucoup plus importante. Et donc, M. No pense que, à partir de juillet, il y avait une série d'événements qui ont eu lieu. Et après, il y avait la sortie de la tablette de JC. Des ordinateurs, une tablette, c'est un ordinateur. Oui, oui. Oui.
Quand on parle de tablettes, c'est les ordinateurs oui. qu'on a retrouvés dans les poubelles en Allemagne oui. durant ce scandale. Ah, d'accord. Okay. C'est ça, oui. Non, c'est la tablette dans un bureau, dans un ancien bureau à Séoul, qui était fermé. Donc le bureau était vidé, mais Choi Soon-sil, ou l'équipe de Choi Soon-sil, ils ont oublié cette tablette. Et donc JHBC allait voir le bureau et le concierge a ouvert la porte et JHBC a trouvé cette tablette par hasard. Personne ne savait qu'il y avait une tablette. Et donc JHBC a pris cette tablette et puis après il a vu ce qui était dedans. Qui était très compromettant. À l'intérieur, oui. il y avait des documents oui. de la Maison Bleue, etc. Et d'après la loi, on n'a pas le droit de sortir de documents de la Maison Bleue. Tout à fait. Ouais. Donc ça posait déjà un problème. Des présidents. Donc tout ça, ça revient par les investigations qui sont en cours, soit par l'institution qui fait des audits, suivi par les journalistes qui suivent tout ça. Oui. Et à ce moment-là, comment réintervient notre personnage principal? Monsieur Noh, oui. il a rajouté ce commentaire tout à l'heure. Il disait que avant qu'il y avait une investigation spéciale par rapport à la corruption de Parkonnet, etc. Donc ça vient plus tard, je pense que c'est en décembre 2016. En décembre 2016, le Parlement a ouvert une audition spéciale pour parler de la destitution de la présidente. Avant ce moment-là, il n'a jamais rencontré de journalistes, il n'a rencontré personne. Et il était très prudent, en fait. Il a parlé de l'audition. JTBC에서 보도된 건 제가 기억이 나는 게 2016년 10월 23일 같고 제가 2016년 10월 25일 날 제가 이제 첫 검찰을 조사를 받으러 가죠. 첫 검찰 조사를 받으러 가면서 많은 대화를 나눠요. 막 얘기를 하고 그리고 제가 2016년 10월 26일 날 오후에 가방에 이제 자료를 다 잔뜩 메고 검찰에 갖다 줘요. 갖다 주고 난 다음에 제 기억으로는 첫 번째 구속당한 사람이 당시에 청와대 정책조정수석인 안종범 수석이라고 알고 있어요. 첫 구속자가. 그 사람은 왜 구속이 됐냐면 제가 우연찮게 습득한 갖고 온 자료에 의해서 증거자료에 의해서 구속이 됐어요. 뭐냐면 언론에서도 많은 기사가 나왔고 또 투기자본 감시센터에서도 고발을 했고 그런 관계자들을 소환을 해서 조사를 해야 될 거 아니에요. 당시에 청와대에서는 어떤 문건이 나왔냐면은 말 맞추기 문건이 나온 거예요. 이런 질문이 나올 거니까 이렇게 답해라. 저런 질문이 나올 거니까 이렇게 답해라. 말을 통일성 있게 하면서 무마를 시키려고 했던 그 대응 문건이 있었어요. 그래서 안종범 청와대 정책수석이 조사를 받자마자 바로 구속이 된 게 그 증거인멸할 시도를 했던 문서 때문에 구속이 돼요. 그러고 난 다음에 촛불 집회가 29일 날 시작이 되는 거예요. 잘 이해 못한 것 같은데 그 문서는 노승일 씨가 가져다 주시지는 않은 거죠? 청와대 정책조정수석 안종범 수석의 행정관이 K스포츠 사무총장한테 갖다 줘요. 이렇게 검찰 조사를 받으면 이렇게 대응하라고. 그게 검찰 조사 대응 문건이에요. 그 문건이 저희만 준 게 아니라 K스포츠만 준 것 아니라 미르도 줬고 전경경도 이제 간 거예요. 셋이서 입을 맞춰서 무마를 시키려고 했던 거죠. 근데 우연찮게 그 문건이 저한테 들어오게 되는 거예요, 손에. 그래서 제가 그거를 검찰에다 보여줘요. 그게 언제? 2016년 10월 25일 날. 첫 조사를 받으면서 그걸 줘요. 그래서 바로 청와대 정책조정수석 안종범 수석을 조사를 합니다. 조사를 하고 증거인멸 우려로 해서 구속영장을 청구를 하고 법원이 그걸 받아들여주는 거죠. 그거 받아들여줬을 때에는 제가 준 페이퍼 두 장이 결정적인 역할을 한 거예요. Et donc,
qu'il attend encore jusqu'au 25 décembre pour amener tous les documents qu'il a possédés à ce moment-là, dont un document qui vient de la Maison Bleue qui explique que c'était un manuel pour réagir à toutes ces questions à l'investigation au Parlement, au parquet, et donc la Maison Bleue transférait les documents en fonction de savoir quoi répondre aux enquêteurs. Tout à fait. Donc il a reçu un pour la Fondation Gaysport et il a déposé tous les documents qu'il possédait, y compris ces documents-là. Et An Jong-bom, qui était à l'époque, je ne sais pas comment on traduit, qui était conseiller d'État, on peut dire la première secrétaire de... Premier secrétaire d'État des politiques économiques, je crois. Il a été appelé par le parquet et je pense qu'il a répondu en suivant le manuel et il a été arrêté aussitôt. Je ne sais pas comment il faut parler de ton détail et tout ça, mais je ne sais pas comment il faut qu'on se montre. L'important, c'est surtout de... Là, on commence à comprendre qu'il y a donc un mouvement général dans la société coréenne de protestation sociale, économique, politique contre le pouvoir, la corruption, la complicité du patronat coréen, y compris des plus grandes entreprises du pays, que c'est dans ce contexte de mouvements sociaux, de protestation sociale, que les révélations auquel le témoignage de notre auteur de ce soir va apporter des éléments clés, vont permettre donc ce vaste mouvement de bouleversement politique qui, du fait de l'ampleur du scandale, si je résume assez bien, va finir par décider de la destitution. Pour être plus précis, les grandes manifestations ont commencé dès le mois d'octobre. La destitution a été votée par le Parlement début décembre, et quand on arrive là à cette date du 25 décembre, on est déjà après la phase où Park Geun-hye a été destitué, on attend la décision du Conseil constitutionnel, qui interviendra quelques mois après. Est-ce que pendant cette période-là, en interne, il se passe, on lui demande de détruire des documents, ou est-ce qu'il y a une pression dans Gaysport, on lui demande de nettoyer la place Il travaille encore pour Gaysport à ce moment-là?2016년에도 계속 일했죠. 제가 퇴직한 건 2017년 7월 달에 이제 퇴직을 하고. 그래서 내부에서 어떤 식으로든지 간에 뭐 이제 가지고 계셨던 증거나 뭐 이런 거를 파괴하거나 파기하거나 이런 압력이 없었는지 궁금하시죠. 최순실은 당시 이제 그 박헌영 과장한테 지시를 해서 WK를 정리하라고 이제 지시를 했다고 하더라고요. WK 사무실을 먼저 정리하고, K스포츠에는 그렇게 뭐 신경 못 쓴 것 같아요. 예. 그리고 저 같은 경우에는 자료들을 다 집에다 보관해 놨기 때문에, 예. 그런 게 뭐 주문이 들어와더라고요. 폐기를 안 했죠. 폐기할 게 없었죠. K스포츠 안에서는. un employé qui s'appelle Park Hon-young a détruit tous les documents mais qui étaient au niveau de l'entreprise WK. Par contre... La holding qui contrôlait Gaysport. Tout à fait. Et la fondation Gaysport, donc Jae-sun-sil ne s'est pas occupé de ça. Et M. No, il a conservé tous ses documents à la maison et donc quand il y a des demandes, il peut dire qu'il n'y a rien qu'on a conservé. Donc, voilà. Et est-ce qu'il n'a pas eu peur pour lui d'être accusé de complicité comme il y a eu beaucoup d'adjoints, d'assistants en fait, qui sont partis en prison, est-ce qu'il n'a pas eu peur lui à un moment donné en fait, d'être accusé en fait, de porter la responsabilité d'être complice d'être complice 물론 있어요. 공범으로 저도 어떻게 보면 국정농단에서 같이 국정을 농단했던 최순실의 부역자로서 1위를 했던 건 맞잖아요. 근데 간단했어요.
그냥 죄가 있으면은 죄 벌을 받자. 정말 그거 고민할 것도 아니었었어요. 청문회 때도 제가 말씀드렸다시피 처벌 받겠습니다 그러잖아요. 네. 처벌 받고 깨끗한 삶을 다시 한번 사는 게 저한테는 간단한 문제였었어요. 그런 거. 네. Pour lui, la question était simple. Il avait, il a envisagé d'être accusé comme complice, mais si jamais il a fait quelque chose d'illégal et qu'il devait être condamné, il était prêt à le faire. Ce qu'il a dit aussi. C'est pas une question de savoir, bah, je ne peux pas aller en prison. Et il comprenait cette question et soupçonnait, enfin, le soupçon de. Mais qu'est-ce qui va déclencher son rapport avec la presse, la justice et son témoignage qui apparemment va être important dans le déroulement de la suite? Qu'est-ce qui va amener à... À quel moment il dit bon, bah, je dis tout. Voilà. Et puis il communique tout ce qu'il sait, quoi. À quel moment? 언제 내가 아는 거 다 얘기하시겠다고 말씀 생각하셨는지 뭐 미디어든 뭐 기자분들한테 얘기하겠다 뭐 검사한테 얘기했다 이렇게 얘기할 그런 생각을 하시게 된 계기. 그거는 뭐 좀 전에 말씀드렸다시피 최순실과 일하면서 첫 번째 일할 때는 권력형 비리 삼성하고 일했다는데 삼성하고 코스포츠하고 그러는 정경유착 이런 것들은 이제 자료를 모으고 그러면서 이제 제가 이제 폭로하려고 했던 게 정식적으로 폭로를 했던 건 2015년 12월 달이 정식적으로 폭로하려고 했는데 당시 이제 K스포츠 재단의 입사 그다음에 당시에 박근혜가 갖고 있었던 힘 이런 것들을 다 생각을 해서 한 번 더 묵혀놨던 거. 또한 이 자료들을 다시 한번 검토하고 다시 한번 그 추려놨던 거는 2016년 7월 달에 투기자본감시센터에서 서울중앙지검에 고발을 했을 때 당연히 내가 갈 수 있다는 이제 자연스럽게 이제 제가 이제 갈 수 있는 장이 만들어졌잖아요. 그래서 그때 이제 다시 한번 자료를 검토를 해서 다시 한번 모아놨던 거예요. Quand il y avait l'accusation quand il y avait la plainte qui était déposée par le groupe de société civile donc en juillet 2016 au fil des temps, quand il avait déjà décidé de dénoncer quelque part, et qu'il a vu que voilà, il y avait une plainte qui était déposée, et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, que bah, je pourrais aller dénoncer parce qu'on a, voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà diffusés et que ça peut mettre en faveur. C'est là qu'il décide d'aller témoigner. C'est là qu'il savait qu'il pourrait aller à n'importe quel moment parler, déposer. Et à quel moment il va se décider pour le faire ou il va être sollicité pour le faire? Comment ça se passe à ce moment-là? Comment il va être vraiment impliqué? Je pense peut-être que ce n'était pas clair, mais... donc il avait cette intention d'aller voir quelqu'un et déposer des preuves. Et après, par la suite, quand le Parlement a décidé de destituer et qu'ils ont commencé à investiguer les employés, etc., il a été appelé. Il va être appelé à témoigner. On va l'interroger tout simplement parce qu'il participait à K-Sport. Tout à fait. Je crois. 그래서 그 청문회 있었을 때는 국회에서 공식적으로 K스포츠 재단에 있었던 모든 분들을 다 불렀고 그때 당연히 이제 다 가겠다고 하시는 거죠. 청문회 때는 제가 원래는 참고인이나 증인이 아니었어요. 아, 네. 전혀 저는 드러나지 않았던 사람이었고. 아, 그래요? 네, 누구든지 저를 주시를 하지 않았었어요. 그러면 어떻게 가시겠다고 자진해서 가셨어요? 아니, 자진해서 간 건 아니고요. 네. 제가 이제 좀 전으로 돌아와서 다시 한번 얘기하자면 2016년 10월 25일 날 검찰에 가고 검찰에 가서 잠깐 얘기를 하다가 저희 매형의 그 사촌 동생이 검사예요. 아, 네. 예, 검사고 상당히 유명한 검사예요. 그래서 저를 담당을 했던 검사가 그 저희 매형의 사촌 동생을 존경하는 사람인 어떤 거예요. 그래서 그 검사한테 제가 처음에 명함을 달라 그랬고 그 검사는 명함을 안 줬어요. 그래서 여기에서 제가 말을 잘못하면 집에 못 갈 수 있다라는 생각을 했던 거죠. 그래서 이 검사가 할 수 있냐 없냐를 12시간 반 동안 밀고 당겨요. 검사가 물어보면 주민번호, 성별 뭐 이런 것만 사실대로 얘기하고 나머지는 거짓말로 얘기하는 거예요. 그러면서 검사를 봐요. 그럼 검찰청도 못 믿으셨다는 얘기예요? 네, 처음에는 못 믿었죠. 예.
그래서 나중에 12시간 반이 지나서 검사의 눈빛을 보니까 할 것 같더라고요. 그래서 제가 검사님한테 얘기를 해요. 오늘 조사 여기까지만 받겠다. 근데 검사가 이상한 눈빛으로 저를 봐요. 감히 네가 참고인 주제에 내가 검사인데 누가 이걸 조사를 하고 말고를 결정하느냐 이런 식으로 봐요. 그래서 제가 검사한테 이제 앞으로 얘기할 거는 오프 더 레코드라고 얘기해요. 그래서 조사를 마치고 그 얘기를 들어요, 검사가. 그러면 검사가 그 얘기를 듣기 전에 명함을 줘요, 자기 걸. 없다는 명함을 줘요. 그래서 4시간 반 동안 진실을 얘기를 해요. 근데 검사가 믿질 않는 거예요. 너무나 영화 같은 얘기고 믿기지가 않는다는 얘기죠. 그래서 제가 안종범 수석이 검찰 대응 문건을 보여줘요. 그래서 그 검사 그걸 믿게 되고 그 검사가 그걸 받고 안종범 수석을 구속을 시킵니다. 아, 네, 알겠습니다. 25 décembre, il a été appelé par le parquet. Il a, en fait, quand il était dans la salle de réunion avec un procureur, il pouvait pas il ne voulait pas faire confiance au procureur. Normalement, en fait, il se méfiait du parquet central. Même la justice, le système de la justice a une réputation mauvaise en ce moment-là. Il ne voulait pas dire la vérité. Donc, il teste ce procureur pendant 12 heures. Et à la fin, il a commencé à croire que ce monsieur, il est quelqu'un d'honnête et intègre. Et il a demandé à ce procureur d'arrêter l'enquête et il lui a proposé de parler de quelque chose, mais hors le cadre de l'enquête. Il lui raconte 4 heures. Et le procureur n'a pas vraiment cru parce que c'était des histoires vraiment incroyables. Mais donc il y avait là une relation de confiance entre le procureur et le monsieur a été créé. Je résume ce qu'il a dit, mais il y a des éléments assez importants, vraiment des détails, mais qui sont très importants qu'il a parlé. Mais je pense que par exemple, je pense que ça vous parlait pas tout de suite. Je vais peut-être parler de ça à un autre moment pour compléter un peu l'histoire. Oui, mais on va, comme le temps file quand même, on va résumer. Oui. C'est tellement con de l'histoire parce que c'est presque de 10 000 pages. Il faut lire le livre. Mais en fait, je voulais vous dire que dans ce livre, c'est pas complet. Justement, que son ami très proche, il était couillanté. Il était en fait, c'est lui, il a demandé sa page. Dans ce livre, tu enlèves ça, je ne veux pas me révéler, c'est parce que lui, il a été soupçonné des amants de Choi Soon-sil. Voyez, donc c'était complètement enlevé dans ce livre, parce que par amitié. Voyez. Et puis pour l'histoire, ce qu'il m'a raconté comme quoi, tous les moments, il était jusqu'à maintenant, il est absolument seul. Mais il est seul, il a testé tout le monde. Le procureur, les médias et tout ça, il a tout soupçonné. Finalement, c'était l'occasion d'enquête spéciale pour les entreprises K-Sport. Lui, il a été témoin. Donc, il a testé aussi le procureur. Finalement, le procureur, en parlant de sa famille et quelqu'un, il a fait confiance. Et après, d'autres personnes, donc il n'y a pas de hasard dans la vie pour lui. Il était absolument seul, mais il a rencontré à chaque moment quelqu'un d'important. Jusqu'à le pape et ensemble, ce que et comment il a donné tous les documents pour attaquer. Vous voyez. À qui donc, il a donné tous les documents? Documents de députée importante, c'est opposant. Donc elle a utilisé vraiment à ce moment-là. Donc lui il dit il y avait pas de hasard. J'ai rencontré plusieurs personnes super importantes, mais il a cru. Donc c'est pour ça que ça face à une personne simple. Il y avait grande entreprise Samsung, et il y a grand Rasputin chez Sunshin, il y a la présidente, marionnette, Bakunin. Donc là maintenant, je voulais vous dire qu'il est complètement seul. J'ai très très peur que ça s'oublie. Lui, il n'a aucune protection. Maintenant, c'est pour ça, comme je vous montre, comme quoi, n'oubliez pas, il y a plein d'histoires,
c'est pas croyable. Donc il y a un monsieur simple, monsieur citoyen, il faut, on peut dire, on n'hésite pas, on ne peut pas hésiter à dire c'est un héros. Grâce à un petit trou, on peut détruire un grand, comment ça s'appelle, Temimoti. Un grand édifice. Oui. Et puis une petite goutte qui déborde la vase, finalement. Donc c'était combiné avec l'occasion aussi. Mais il y en a aussi, c'est super important, c'est le Séoul. C'est le bateau Séoul, c'était 2014 au mois d'avril. Vous voyez sa boutonnière ? Oui, c'est clair. En fait, notre symbole, encore, c'est pas encore éclairci de l'histoire. C'était tout une combinaison, c'était ça. L'histoire grand, catastrophe, petit à petit. Et puis, tous les entreprises, ou le procureur, ou le média, c'est la Wagner, elle a tout manipulé et tout ça. En fait, c'était tout rassemblé. Pour qu'un système en plus très ancien déjà, puisque c'est quasiment familial et dynastique, de dictature avec l'appui du patronat, de la finance, de l'industrie coréenne, ait pu être quand même pas mal bousculé, il faut quand même qu'il y ait un mouvement social qui émerge en Corée aujourd'hui. Mm-hmm. Ça repose sur quand même des rapports de force, c'est ce qu'on évoquait au début. Dans la population, il y a quand même des tensions importantes qui ont émergé avec ce scandale qui a été le levier sur lequel la société civile coréenne a pu quand même commencer à faire bouger les choses. Mais absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un contexte, alors Emery qui vient de Corée peut peut-être préciser, il y avait un contexte social qui fait que ces événements ont débouché sur ce sur quoi ils ont débouché, parce qu'il y avait des tensions sociales et un contexte. Non, ma question est très ingénue, mais ce qui me semble étonnant, mais c'est vrai qu'un des acteurs clés, ça a été quand même... Bien sûr, des héros comme monsieur, mais aussi l'irruption des masses populaires, hein, parce que sinon, il y avait effectivement le rapport de force. Ce qui m'a semblé frappant, ce que j'ai appris là-bas, et évidemment, je demande confirmation, hein, parce que ne parlant pas la langue, j'ai appris que le dirigeant de la KCTU, c'est-à-dire l'équivalent de la CGT en France, est toujours en prison, alors qu'il a été emprisonné, alors qu'il manifestait contre Mme Park Geun-hye pendant ses manifestations. Et donc, au motif qu'il a manifesté, contraire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une loi de sécurité nationale qui n'a rien à envier au macartisme, qui, à mon avis, même au macartisme puissance 10, qui est un anachronisme, si je peux me permettre, puisque la guerre froide est terminée. Et donc, on continue d'emprisonner l'équivalent de Philippe Martinez là-bas, toujours, actuellement. Les communistes, les syndiqués, les syndicats qui sont associés, etc., sont hors la loi. Voilà, alors, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Il y a eu une amnistie park qui a mis 6400 syndicalistes en prison. Ouais. Moon joue dans un mouchoir de poche. Il a amnistié 6300 ou 6400 syndicalistes. Et celui-ci, effectivement, qui est le président de KTCU, est encore en prison. Mais on peut estimer que d'ici 6 mois ou un an, il sera gracié, quoi. Oui. Mais il ne peut pas tout faire en même temps, en fait. Mais donc, ce qu'on veut dire surtout, ce que confirme Emmerich, etc., ce qui ressort de cette histoire, c'est que ce scandale romanesque, incroyable, avec des personnages, des péripéties, de quoi alimenter toutes sortes de gazettes et de romans, pas seulement en Corée, n'a émergé, n'a eu un impact politique important que parce qu'il y avait des tensions sociales fortes. C'était un ras-le-bol. Oui. Il y a eu d'abord les manipulations des services secrets lors des élections en 2012. Ensuite, il y a eu l'affaire du Séoul et du mépris, en fait, du gouvernement pour les familles. Le refus de renflouer le Séoul, ce qu'a fait Moon, en fait. Là, il y a cette semaine, on l'a relevé. Donc, il y a eu la répression contre la presse, la répression contre les universitaires, la répression contre les syndicalistes. Et donc, l'affaire Chey, quand elle arrive et qu'il y a les révélations, là, c'est la cocotte minute explose. Les gens en fait, c'était ça. Je vais juste compléter quelques infos. Bon, ça rejoint à votre discussion. Et je pense que ça peut. Je pense qu'on peut remonter encore plus loin. C'est-à-dire qu'à partir de 2006. Donc il y avait le président Monsieur Lee qui a pris le pouvoir en 2007 et avant donc Monsieur Lee il y avait le président démocratique Monsieur No qui a été condamné qui a été beaucoup critiqué déjà depuis le premier mandat. Lui il était plutôt de progressiste et il voulait vraiment établir un système démocratique
de façon à ce que tout, est, voilà, tout soit plutôt plus égalitaire. Et, mais en même temps, il a été beaucoup critiqué. Et le renversement de pouvoir de gauche, donc de progressiste, vers le droite, a déjà a été un événement important dans la mesure où on a connu... Quelle année ? En 2006, 2007. On a commencé à connaître ce que c'est la démocratie, la liberté d'expression, les activités. C'est le gouvernement gauche qui avait été renversé donc par cette droite classique était le premier gouvernement gauche qui avait existé. Avant il y avait encore un président donc qui a reçu le prix Nobel en 1998. Il y avait déjà eu un premier gouvernement progressiste. Il y avait deux gouvernements, bah, plus on peut parler de panoplie d'échelles. Il y avait eu quand même des esquisses de gouvernement un peu plus démocratiques que ce que les Coréens du Sud avaient connu depuis la dynastie Park. Tout à fait. Le paysage politique a évolué dans le sens plutôt de démocratisation, alors que ça a été rompu en 2007, parce que les gens étaient, entre guillemets, mais contents des deux mandats de progressistes. Et après, donc dans la deuxième partie, donc M. Lee a pris le pouvoir. Et bon, déjà, cette époque-là, il y avait déjà la répression médiatique, toutes ces choses qui étaient renforcées. Et que M. Lee est arrêté cette année-là. Cette année, il est en garde à vue. Il est sous enquête. Parce qu'il il a commis plusieurs affaires de corruption, encore bien avant que Park Geun-hye, et il a déjà manipuler la population de façon beaucoup plus agréable. Excusez-moi, parce que quand on continuera, je vous remercie vraiment infiniment, on continuera le débat au café Montparnasse. On va peut-être conclure avant la dédicace. Oui. Ah pardon, une dernière question. Question, il voudrait répondre. Bon, il veut d'abord intervenir. Dans ce cas, 케이스포츠에는 정동춘 이사장과 박헌영 과장이 청문회에 가서 증인으로 나가게 돼 있었어요. 참고인으로. 근데 당시에 여당이었 박근혜 당이었던 새누리당과 새누리당 의원들하고 정동춘과의 접촉이 있었던 거예요. 그러면서 서로 질문과 답변을 주고받은 거예요. 입을 맞춰 놓고 나간 거죠. 그 정황을 제가 알게 돼요. 박헌영 과장한테 얘기를 들으면서 알게 됐고, 그거를 제가 고영태한테 얘기를 해요. 왜 고영태한테 얘기했냐면은, 민감한 문제인 그 태블릿 PC 때문에 그런 거예요. 고영태는 2016년 7월 말일 날, 더블키를 정리하면서 자기 책상에는 디지털 카메라밖에 안 놨다라고 했고, 근데 본인이 안 놓은 태블릿 PC가 본인의 책상에 있었고, 그거를 청문회 과정에서 고영태 태블릿 PC로 몰고 가려고 했던 정황이 있었던 거예요. 그래서 그리고 박헌영 과장한테 얘기한 거는 새누리당 이완용 의원이 기사를 통해서 JTBC가 훔쳐간 걸로 해라. 그리고 그 태블릿 PC는 고영태 것으로 해라. 뭐 이런 식으로 해서 입을 맞춰요. 그거를 안 상황에서 제가 고영태한테 얘기를 했고 고영태가 어떤 기자하고 통화를 해요. 그냥 푸념을 늘어놨는데 그 기자는 녹음을 해요. 그래서 고영태의 동의를 구하지 않고 기사를 내요. 그래서 고영태가 난처한 상황에 처해져요. 고영태는 저한테 얘기 들었지 박헌영한테 직접 들은 직원이 아니잖아요. 전원이잖아요. 저한테 들은 전원이기 때문에. 그래서 제가 그거를 기사화시켜요. 제가 얘기한 걸로 해서 다시 한번 기사를 내면서 영태를 보호해줘요. 그러면서 제가 당시에 새누리당은 난리가 났죠. 입을 맞췄다 그래서. 그래서 저를 증인으로 불러요. 아니 참고인으로. 이거에 대해서 해명을 해라. 근데 저는 자신감이 있었죠. 그래서 이완영 의원이 얘기할 때 제가 웃은 거예요. 예, 그래서 그러면서 이제 제가 청문회에 새누리당의 쪽에서 요청을 해서 제가 나간 걸로 저는 알고 있어요. 그래서 참고인으로 나가게 된 계기가 그 사건 때문에 참고인으로 나가게 돼요. 네. 한 가지 이 일본은 저기 세월호 일본 어머님들이 만드신 거. 네네. La réponse par rapport à la comment il est arrivé au Parlement pour témoigner
pense que je vais reprendre ça brièvement. Il y avait des éléments un peu compliqués, mais je vais résumer vite fait. Qui ont mis Monsieur Ko, le confident de Monsieur No, dans un risque pour se faire condamner ou pénaliser. Donc il devait médiatiser ce qu'il savait déjà. Et donc il a participé à la médiatisation de, et après il a révélé en partie de ce qu'il savait. Et donc il a été invité, il a été demandé de venir, entre guillemets, c'est pas des témoins, mais c'est des gens qui des référents de l'affaire. Donc il est arrivé à témoigner en fait dans le Parlement. Et deuxième chose, il y a tous les détails, je vous raconterai plus tard. Mais il faudra lire le livre. Et après, le papillon qui est dans le boutonnier, en fait, c'est le ruban. C'est un papillon, papillon qui était fabriqué par les mamans des victimes de naufrage. Oui. Oui, le naufrage du bateau qui avait été déjà un scandale énorme à l'époque, oui. Mais deux questions, en fait. Les dernières. Est-ce que vous allez au café ou pas? Non, je voudrais connaître sa plus grande fierté par rapport à cette affaire. Et la deuxième, comment il voit l'avenir pour la démocratie en Corée? Qu'est-ce qu'il pense de la libération de Lee, le président de Samsung, qui a fait moins d'un an, je crois, de prison suite à l'affaire? Comment il voit le développement, le futur, en fait? Quelle est sa fierté donc, de cette affaire, de lui, ce qu'il en tire comme expérience personnelle, et comment il projette ça dans le futur de la Corée? 본인이 가장 그 박근혜 관련해서 게이트에서 가장 자랑스럽게 본인이 자랑스럽다고 느끼시는 거 하나랑 그리고 앞으로 이재용이 지금 석방했잖아요. 네. 네, 그렇게 된 이후 어떤 식으로 지금 뭐 삼성이나 이런 권력과 이 정경유착 같은 것의 관계가 어떤 식으로, 그리고 민주화 이런 거, 그러니까 전반적으로 한국 사회의 어떤 진화가 어떻게 될 건지 생각하시는지. 일단 그 2017년 3월 10일이죠. 박근혜 전 대통령이 파면을 당한 날이 2017년 3월 10일입니다. 그래서 당시에 그 헌재에서 탄핵을 인용을 발표를 하면서 제가 제출했던 그 페이퍼 두 장, 스포츠 클럽 전면 개편 방안 안. 그 안에는 K스포츠와 WK, 최순실과 박근혜 그 두 장의 모든 게 다 설명이 다 되거든요. 그거를 통해서 사익 축으로 해서 현재에서 탄핵 발표가 났을 때 그게 가장 잘한 것 같고 지금 통역을 해야 될 것 같아요. C'est le moment où la Cour constitutionnelle a annoncé le dernier verdict pour la destitution. Il a entendu donc dans le texte, il a retrouvé des éléments du document qu'il a apporté au justice. Et quand il a entendu ça, c'était le moment le plus fier. 네. 근데 삼성 관련해서는 처음에 이제 저한테 질문했듯이 삼성이 신생 기업하고 계약을 해서 지원을 해주는 거는 아무 문제가 없어요. 근데 그 신생 기업이 페이퍼 컴퍼니고 그 기업에는 어떠한 직원도 없고 또한 6명이 지원받기로 한 프로젝트에 정유라 혼자만 단독적으로 지원받았던 거, 삼성이 그걸 알면서도 지속적으로 지원을 해줬던 거, 그리고 그 당시에 계약 금액이 186억을 혼자만 단독으로 지원해줬다는 거에 대한 그 문제점이 이재용을 힘들게 만든 거죠. 그리고 이재용 1심 판결에서도 낮게 받았어요. 징역 5년 실형 받았는데 2심 재판에서는 집행유예 4년으로 나왔거든요. 그런데 지금 현재 이재용 재판은 대법원에 지금 올라가 있는 상태예요. 근데 대법원에서 파기 환송이 나면 다시 한번 재판이 이루어지고 대법원에서 2심 재판이 맞다고 하면은 이재용은 그냥 그대로 끝나요. 자, 대한민국은 민주주의를 많이 외쳐요. 민주화운동 많이 외치는데, 제가 프랑스에 와서 우리나라를 욕하는 건 아니에요. 우리나라가 이렇게 받게 된다는 걸 감히 말씀드리자고 싶은 건 뭐냐면, 돈으로 모든 걸 다 통하는 세상이 대한민국 같아요. 돈만 있으면 법도 피해가고 불법을 저질러도 그들은
그냥 매스컴에만 몇 번 나오면 해결이 되는, 이거는 지금까지 대한민국이 민주화를 위해서 이루었던 민주화 운동에 역행하는, 반하는 행동이거든요. 그래서 저는 이재용이 대법원에서 파기환송이 될 거라고 저는 믿고 있고, 만약에 이재용이 파기환송이 안 되면 또 다른 무엇인가를 제가 더 시민운동, 사회운동을 통해서 계속 투쟁이 나가야죠. Alors, c'est la dernière réponse à la dernière question. La dernière réponse est un peu difficile. Si vous pouvez faire la tradition à ma place, je serai ravie, sinon je vais essayer le livre. Alors, en ce qui concerne la démocratie coréenne, jusqu'à aujourd'hui, on constate, et plusieurs personnes constatent que la démocratie coréenne fonctionne, mais il y a... on est plutôt convaincu du fait que l'argent est plus important que le système démocratique. Et ce qui est révélé par la libération de Lee, c'est ça. D'accord. Parce que lui, il y a beaucoup d'éléments que vous ne connaissez pas encore, que les médias ne traitent pas suffisamment. Mais en Corée, même si on parle de ça, on parle de beaucoup d'éléments, de contexte, comme quoi la famille de Lee a essayé d'hériter la richesse, voilà, le Samsung à la famille, à la Jay Lee, monsieur Jay Lee, la justice a décidé de le libérer ou bien ne pas le pénaliser comme les autres coupables. Et donc pour lui, il n'a pas envie de critiquer la Corée parce que quand même c'est un des éléments qui est important, donc le lien entre la politique et l'économie ou la corruption des grands dirigeants, etc. C'est une partie des éléments de l'ensemble de la société coréenne, mais il regrette que ça existe encore. Et maintenant, ce qu'il va essayer de faire, c'est que si jamais aujourd'hui donc M. Lee est libéré, mais en même temps il y a un appel en cours, il espère que cet appel renoncera à la dernière décision de la justice qui a eu lieu et qui a pu libérer M. Lee et qui renversera la décision de la justice. Donc on va continuer de combattre dans la justice par rapport à Samsung et tout ça. Et si ce n'est pas le cas, il veut s'engager dans les activités civiles pour continuer à apporter des éléments, pour critiquer Samsung et changer ce système démocratique qui peut être dysfonctionnel à cause de l'argent. Merci. Merci à tous. Donc, voilà, on va conclure.